Tu pues de la bouche. On dirait que t'as mangé une mouche. Wissem, t'as une haleine, elle est ténébrée. Bouge ton bassin. Vas-y, bouge ton bassin. Et... La MIF, c'est comment? J'espère que vous allez bien. En ce premier jour de Ramadan, on est actuellement le samedi. Bref, on est samedi, c'est le premier jour du Ramadan. Et j'espère que vous allez bien et que ce premier jour se passe bien pour vous. Là, il est début d'après-midi, il est genre 13h et quelques. Là, on va sortir parce que tu connais le Ramadan, faut pas rester chez soi. Sinon, c'est pas un vrai Ramadan. Mais si tu restes chez toi, tu dors toute la journée, ça compte pas comme un Ramadan. Eh ouais! Du coup, là, on va direction République, on va rejoindre des gens parce que j'ai donné rendez-vous à des gens pour tourner une vidéo. Bye, Max! C'est parti, on va aller chercher Yagas. Il se me lève toujours avant de démarrer un véhicule. Ouh purée, t'entends ça mon gars? C'est un moteur électrique. Purée, je suis content. Happy Ramadan, let's go. Fait pas beau, mais ça va aller. Eh les gars, je me suis pris ma première amende la semaine dernière. 90 pétards, 90 euros d'amende. Parce que je roulais à 86 au lieu de 50. J'avais pas mes papiers, rien. Ça va Darigo? Je te propose pas de chewing-gum mon gars. Pas aujourd'hui. Je me suis brossé les dents. Bon c'est parti, l'équipe papas. Là, la tête de moi. Nous sommes au cœur de la capitale parisienne et cet individu prend les transports sans titre de transport. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur? Rien. Mais ouais, c'est vrai que c'est inadmissible à 23 ans de pas avoir titre de transport. Et qu'est-ce que ça vous fait de tricher, de frauder pendant le Ramadan? Ramadan. C'est une blague. Tu vas vraiment rentrer en train sans titre de transport? Non. Waouh, le mec il s'assoit alors qu'il a pas de titre. Wesh. Faut être à l'aise. T'as un comportement douteux, ils vont me péter direct. Ok la famille, nouvelle caméras. Frérot, j'ai une question à te poser mon ref. Qu'est-ce que tu penses du Ramadan mon gars? Incroyable, eh, faites le tout si vous pouvez. C'est un beau conseil, c'est bon? Je m'attendais pas à ça. On est en direct, République, on est avec le frérot. Vas-y, raconte-moi un petit peu ce qui se passe. Voilà les frères, le match, on va encore et encore. On va pas s'arrêter. L'arbitre, on t'a pas oublié. Algérie 2023, reste à l'affût seulement. Le truc que t'as envie de dénoncer un petit peu aujourd'hui mon ref. Qu'est-ce que tu penses du climat actuel en France, de ce qui se passe? Ce qui est politique, on laisse aux politiciens, on est de notre côté. En plus il y a les élections bientôt. Tu vas voter ou pas frérot? Je dirais pas pour qui mais j'espère. Bon monsieur, oui. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du climat actuel aujourd'hui? C'est bizarre. Il neige, il glace, il y a tout changé. La politique actuelle, qu'est-ce que vous en pensez? Tout démodé. C'est bordélique. Aïe aïe, ok d'accord monsieur. Il faut montre notre visage. Regarde le ciel. Il faut toujours regarder en haut. En haut. Ok. Dieu, donnez-moi des aides. On peut pas vivre cette terre. Merci beaucoup. Ça va être diffusé vous hein? Quel que j'ai pas voir. Ça c'est TF1. TF1. TF1 Média. Vive le TF1. La MIF c'est comment? J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous ça va super. Mets des chaussettes. Pourquoi? Elles sont toxiques tes yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais plus si vous vous souvenez mais dans l'ancienne vidéo Ramadan que j'avais faite, eh ben j'avais fait avec mon frère Pierre Feuille Ciseau coup de bouteille. C'est simple et efficace comme idée. Donc on va faire ça, Wissem, t'es pro, vas-y mets-toi en position. Pierre Feuille Ciseau. Aïe. Pierre Feuille Ciseau. Pierre Feuille Ciseau. Ah. Pierre Feuille Ciseau. Le dernier, c'est celui qui va définir qui. Pierre Feuille Ciseau. Oh my god. Non, t'as quitté, t'as pas le droit. Ça sent bon par ici. Ouais, maman. Ça, c'est des petits pains. Mettre des sandwichs à l'intérieur. C'est des sandwichs. Bah oui. Ok, je vois, tu veux nous m'emmener où? On va quoi? Les gars, là, c'est l'heure de couper. Et quand on coupe, on fait une petite invocation. On dit Allahumma inni ilayka sumt wa ala sakhira aftalt dahab ad-dama'u wa btalat al-ruhu wa tabat al-ajr inshallah. Après, là, tu demandes à Dieu ce que tu veux exactement. Et après, tu dégustes. Donc voilà. La MIF, petite présentation de ce qu'on a au menu aujourd'hui. C'est simple. On a voilà une petite soupe histoire de se réchauffer parce qu'il a fait très froid aujourd'hui. Des petits sandwichs comme ça, tu vois, des petits sandwichs comme ça. Je crois que c'est du blanc de poulet avec de la salade. Hop, une petite assiette de poiscaille. Des petits œufs avec de la mayonnaise et tout ce qui va avec, tomate, tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas le plus important, le sélecto, élément principal de ce mois de Ramadan, pour un maximum de diabète et de sucre. Hé, hey, je te jure, regarde, il y a deux sacs de pelé. Pourquoi tu fais ça? Je pue? Non. Ta parente, je suis ta mère. Mais non, mais je fais ça parce que j'aime bien. Mais tu te rends compte, ils nous vendent des tiens. Deuxième jour de Ramadan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. La meilleure ambiance, c'est le deuxième jour. Wow, tu ne touches pas comme ça, t'es malade. Mais t'as carrément pété une durite. Une durite? Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit toi? T'as un problème? Oh, regardez, y'a qui est dans mon lit là. Bon les gars, je suis désolé de vous imposer tout ça, mais c'est le deuxième jour de Ramadan. Hello, oui. Je suis en train de parler, je dis un truc. Ramadan, Allen Test. Qui sont les meilleurs du paradis? Ça sent... Tu mens. T'as ma tête, ils sont le mieux. Tu t'es brossé les dents? Non. Les gars, vous connaissez le challenge sur TikTok avec les drapeaux, hein? On l'a fait avec ma mère et c'est une catastrophe. Je pensais que tu faisais exprès. Je t'ai bien élevé. C'est quoi le rapport avec ça? Je t'ai élevé pour apprendre les drapeaux. Moi, c'est les gens qui m'intéressent, pas les drapeaux. Le drapeau de la Russie, tu peux pas me dire que c'est le drapeau de la France qui mais est penché? Mais à l'envers. Bon les gars, c'est parti. On va partir sur un quiz de drapeaux. Ça, c'est l'Angleterre. Ah, vas-y, c'est bon. Le Portugal. Angleterre.
Je sais pas ça. C'est quoi la capitale du Mexique? C'est la Suisse. Ouais. En fait, on arrête. On arrête tout simplement. Non, non, continue. Non, non, j'ai pas continué. Les gars, on arrête ce massacre, cette catastrophe. Wissem, débrief du niveau familial. Le niveau est très nul. Bon, les gars, vous connaissez, mois du ramadan, un mois où on doit faire en sorte de ne pas louper les prières et les faire à l'heure. Parce que le reste de l'année, des fois, tu peux être amené à dire délaisse un petit peu la prière et tout. Alors que c'est un des piliers de notre religion, tu vois. Je vous explique un petit peu le concept. On doit prier 5 fois par jour à faire, qui sont à des heures bien précises. Donc là, c'est la prière de Dohol, ça s'appelle. Ça aide environ à 14h. Donc l'appel à la prière, il est à 14h. Et on doit prier, se rendre dans la salle de bain, faire nos ablutions. Les ablutions, c'est ce qui permet de nous purifier. Allez, viens, viens. Arrête, oui, c'est une va prendre ta douche. Je préfère plus. Vas-y, je suis timide. Mais je suis timide là, vas-y. Voilà, le but dans les ablutions, c'est de, du coup, on se lave avec de l'eau, mais il faut utiliser le moins d'eau possible. On commence par les mains, on se lave 3 fois les mains, voilà. Après, la bouche, 3 fois. T'as capté? Ensuite, le nez, 3 fois pareil. Après le nez, le visage, voilà. Donc on vient se laver bien tout le visage. Ensuite, après le visage, c'est les bras. On commence par le bras droit. Mais qu'est-ce que tu fais? Avec les... On commence. Après on enchaîne avec les bras, du poignet jusqu'au coude, voilà, on descend bien, 3 fois, on commence par le bras droit toujours. Après bras gauche, pareil, tac, tac, jusqu'au coude. Ensuite les cheveux, on va venir bien prendre toute la masse de cheveux et on descend. Attends, en fait, tu veux que je te monte en l'air? On vient nettoyer les oreilles tout simplement, voilà, mais ça c'est une fois. Dernière étape, les pieds. Donc voilà, c'est ça les ablutions. Pour les gens qui se demandent c'est quoi les ablutions, eh ben vous avez la réponse maintenant. Allez, à tout à l'heure. Ah, tu vois quoi? Ouais. T'es genre de la douche, ouais. T'es mignon toi. Je suis ton grand frère. Ah ouais. Et toi t'es qui pour juger que je suis ton grand, que t'es mon... Waouh, super l'ambiance. Ouais, c'est le poteau. Wesh. Ça dit quoi mon gava des gavons des gava des gavros? Ça se passe. On est là, tu connais mon gars, toujours, tout va bien. Direction Auchan mon gars. Elias en fait ce qu'il fait dans la vie, il est imam. Donc aujourd'hui il va vous expliquer. Je suis pas imam, c'est pas on faut vraiment dire des trucs comme ça frère. Pendant la maintenance c'est aussi important d'avoir le regard vers le sol. Mais après mais t'es vraiment pas un poteau, t'as capté ou pas? Mais il faut faire bélec. Les filles sont agressives. Physiquement les filles t'agressent déjà. C'est dur. Hein. T'es en train de te balader. Bao. Comment on dit les courses en espagnol? Supermercado, vamos! A tout de suite pour Auchan Time. Mon frère m'a demandé la boîte de trésor. Regardez, t'as vu le concept ou pas? Boîte jaune, en mode c'est au hasard. T'as un chocolat blanc, chocolat aux noisettes et chocolat au lait. Tu pioches au hasard. Mais les gars, je savais pas que ma daronne elle m'avait envoyé au charbon comme ça. Regardez, y'a quoi là? Tu vois, quand je suis en face de ces trucs là, paprika, poivre, tout ça là, le nombre de trucs là. Je sais même pas, je suis où, je sais pas, je prends quoi, je sais pas, je fais quoi ici, frère. Bon, les gars, on a fini les courses, ça y est. Bah, je connais bien, bien, j'ai char bien rempli. Direction payé maintenant, direction la caisse direct. Ça y est, course terminée, course finish. Et voilà, on va voir c'est quoi le thème, qu'est-ce que ça fout après. Je pense que ça va faire un foot, un petit city pendant le Darams. Je suis pas contre. Bon les gars, maintenant t'as faim. Et la faim souvent de faire quelques dingueries. Regardez le poteau, il est parti à la boulangerie d'après quoi. Il a pris pour 40 balles de pâtisserie maintenant. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. 40 balles de pâtisserie mon vieux. C'est dangereux de faire les courses vers cette heure là en fait. Tu connais, tu te dis ah je vais prendre un bail, 2 bails, 3 bails, 4 bails. Là j'étais au city, là je tapais un foot là. Purée, qu'est-ce que ça fait du bien les foot pendant le ramadan. Oh là 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 là, je vous ai pas montré mais. Ouh là 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 là, ça a l'air intéressant ça maman. Bon la mif, après une bonne douche, ça y est, c'est l'heure de couper enfin. Il est quelle heure Wissem? Faut pas te poser de questions toi. 20h30. Présentation de ce que tu manges. Du poulet. On peut voir que l'intérieur est bien bien fondant. Hein. Je vous montre un petit peu la table du jour aujourd'hui, la mif. Voilà, vous connaissez la soupe, c'est comme d'hab, la spéciale. Voilà des petites briques qui restaient d'hier. Le cordon bleu que Wissem apporte. Voilà, cordon bleu. Les petites pizzas maison. Et après voilà, Selecto, la bouteille d'hier que voilà Wissem. C'est le spécialiste, c'est lui qui a mis pris la bouteille, le Selecto. Hey, non, Selecto. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, ferme. C'est pas bon. Comment ça c'est pas bon pour moi? T'es sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mort de faire le vexé là. Donc voilà la mif, j'ai plus qu'à vous dire ça raftol comme. Nous on va se régaler. Et puis voilà, à plus tard. Bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Ton chewing-gum? Oh, merci, c'est le ramadan. On accompagne Wissem à l'école. Tu commences à quelle heure? 11h15. Et il est quelle heure? Il est 11h. C'est parti, on y va, let's go. T'as quoi comme cours là? J'ai français, après je regarde un film et j'ai fini. On est au mois d'avril, le mec il regarde déjà des films. T'es sérieux? Mais dans 2 mois j'ai fini mes cours. Comment ça dans 2 mois? C'est pas en juillet la fin des cours? Non, c'est en juin. Et j'ai l'impression plus les années avancent, plus la fin des cours ça recule. Bref, je te dépose à l'école. Tu trouves quel grand frère qui te dépose à l'école toi? Bah c'est un devoir. Te déposer à l'école c'est un devoir? Normalement je te laisse galérer prendre le bus et mettre 30 minutes. Tu sais que j'ai un emploi du temps de fou malade. Et je prends du temps pour te ramener quand même au lycée. Déjà pourquoi t'as pas Valérous? Aucun rapport, le sujet n'est pas là, fin de la discussion. Vas-y Riyad, mais fais pas de bêtises, merci. Et tu réponds pas à la maîtresse. Allez file mon grand, allez. C'est ça. Vous voyez les gars, être un grand frère c'est prendre ses responsabilités et faire en sorte que tout se passe bien pour votre petit frère. Aujourd'hui, grosse surprise, je vous en ai pas parlé. Ça fait plusieurs mois que j'attends la naissance d'un chaton. Et voilà, ça va être mon nouveau chaton en fait. Je vais le récupérer tout à l'heure, normalement à 15h30. Là il est 11h12, donc on est large. Ça va très bien se passer aujourd'hui. Et voilà, il faut que j'achète de la litière, des croquettes, tu sais, de la nourriture pour chat quoi, ce qui bouffe les chats. J'ai hâte parce que le jeu il est trop beau. C'est un mâle. J'ai eu que des femelles parce que moi vous savez j'ai eu beaucoup de chats. Et là c'est un mâle, donc est-ce qu'il va détruire le salon ou pas? Est-ce qu'il va être
calme ou pas. On va voir. Donc là, on est au rayon chat. On va acheter de la litière pour qu'il fasse ses besoins. C'est simple. 5 euros, 4 euros. À mon avis, litière naturelle, ça peut être mieux. Et comme on est des pigeons, on va prendre celle-là 5. Donc on va prendre celle-là. Maintenant qu'on a la litière, il faut la nourriture. Et comme c'est un bébé, il faut des petits trucs. Qu'est-ce que je peux lui prendre? Je sais même pas. Ah, Junior, 2 mois, 12 mois. Ah, c'est ça. Tu vois, ça c'est plus d'un an. Et ça, c'est Junior. Ça, c'est pour lui. Parce qu'il fait cette taille comme ça à peu près. C'est un chat spécifique celui-là. En tout cas, j'ai pris ce qu'il fallait. Trop content parce que du coup, je vais pouvoir m'occuper de lui vraiment, tu vois. Parce qu'avant, j'avais des chats, mais je les donnais et tout. C'était pas. Là, vraiment, je vais m'occuper de lui pour de vrai. Je vais bien prendre soin de lui et tout va très bien se passer. Donc voilà, la famille, c'est bon. On a pris tout ce qu'il fallait. On va déposer ça d'abord à la maison et on va récupérer le chat après. C'est parti. Bon, maman, on va remplir la litière. Est-ce que t'es contente pour le. Bah ouais, je suis très contente pour le. Ça me fait un truc chaud au cœur, on dirait un bébé. Ma mère, elle, ça fait longtemps, elle voulait un autre chat. On prépare sa toilette. Ça, ça sent le pelé. Ouais, bien quoi. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, wesh. T'aurais jamais bu, mon gars, il ne trahit jamais l'islam. Pour l'équipe, on est déjà de la station. On regarde les bails, nouvelle machine. Quand t'arrives à la station, tu prends direct, tu connais tes petites piécettes, tes petits jetons comme ça. C'est pratique, ça. Colère, on va les deux la top. Il est bon, mon pull ou quoi? Non, c'est de la mousse, vas-y, vas-y, bombarde, wesh. Même laver une caisse, il arrive pas, c'est aberrant, frérot, c'est aberrant. Voilà, ça se voit que c'est la première fois que tu laves ta caisse. Là, c'est bien, là, c'est pas mal. C'est mieux. Véhicule propre. Non, merci. Je suis en train de faire allumer, mon gars. C'est combien? Oui, les fesses, mon vieux, wesh. C'est vrai que le coco en ce moment, c'est super rush, les gars. J'aime quand. Je vais mettre en mode j'aime quand, mon gars. Ça va être aberrant, mon frérot, à bord de cette Audi. De cette jeune Audi A3. De cette jeune Audi A3 miteuse. Ouais. C'est ouais. Médiocre, frérot. Ouais, c'est ouais. Médiocre. Mais l'électrique, c'est ce qui va sauver notre planète. Oh, purée. Wesh, la caméra, je peux la mettre en I. Pa. Hey, il est pas trop beau. Hein, écoutez-moi, ces yeux. C'est dinguerie. Waouh. Il s'agrippe tout ça, bélé quand même. T'inquiète. Oh là là. T'inquiète. Il m'a grippé la gorge. Oh les mâches là, c'est la gorge, le fou. Tu sais comment il s'appelle ou pas? Je sais pas. Douy, mon gars. Trop comme dans Malcolm. Sale. La tête, c'est comment Douy, mon gars, wesh. Regardez-moi ces yeux, machin là. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Je suis trop content là. Bon, allez, les gars, on se retrouve à la maison. Et touche pas la caméra, mon vieux. T'as un mot à dire pour la vidéo? Non, j'ai rien à dire, je vais comprendre ça. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, lui. Et comment il s'appelle? Douy, comme dans Malcolm. Parce que Douy fait plein de bêtises, tu vois. Douy, c'est le petit avec les grandes oreilles, tu vois. Là, on lui fait une visite de la maison. C'est la maison, elle est un peu en bazar. Et là, c'est ma chambre, regarde, ça c'est ma chambre. Je vais te poser sur mon lit, tu fais pas n'importe quoi, ok? Voilà, là t'es sur mon lit. C'est bien ou pas? Tu peux dormir ici si tu veux. Douy fatigué. Maman, il va dormir où le chat ce soir? Dormir dans ma chambre. Avec moi. Non. Avec moi. Voilà, Mif, là on va à la mosquée. Pendant le ramadan, il y a ce qu'on appelle le taraweh. On se regroupe tous à la mosquée pour réciter le Coran, enfin pour prier et en fait finir tout le Coran à la fin du mois. C'est un bonheur d'être à la mosquée, c'est un lieu de paix. On respire la joie de vivre, le bonheur et voilà, l'entraide. C'est sympa le retardataire de service, à cause de toi on va prier dehors, super. On est pas en retard là en vrai de vrai. Là c'est juste pour qu'on prie dans la salle verte. T'es ma gueule, tu sais comment je suis. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis max. Tu connais la technique pour prendre plus de hassanet en mode tu passes pas par le même chemin par lequel t'es venu ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? Bah genre quand tu vas à la mosquée, si tu prends deux chemins différents, un pour l'aller et un différent au retour, et bah t'as plus de hassanet en mode. C'est mon daron, il m'a dit. En fait ce qui s'est passé les gars, j'explique. L'imam habituel, t'as vu, Abdelhamid, voilà, l'imam officiel de la mosquée de Bussy et tout. Connaître le Coran par cœur, c'est pas tout le monde. Il bug à un moment, tu vois, il bug, c'est normal. Comme quand t'apprends une poésie, des fois t'oublies. Et tu connais, y'a un mec au 8ème rang, il commence à le corriger. Genre il le corrige en mode fort pour que tout le monde entende, t'as capté ou pas? Mon gars, le contrôle est réussi. La chaussette est blanche. Mon gars, voilà, j'ai fait trop d'erreurs. Quand j'étais petit, j'avais les chaussettes trouées et tout ça. Là, mon gars, j'ai 24 ans, poteau, la tête de rhum. Les gars, on est au 4ème jour. Voilà, 4ème jour. Wissem, ton petit ressenti après 4 jours, s'il te plaît. Facile. Toi, c'est quoi ton ressenti d'ailleurs? Toi, d'ailleurs, pourquoi personne te calcule comme ça? Je sais pas. On calculait. Moi, je te calcule. Maman, déjà, 1 plus 1, ça fait combien? 6. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Chérine, s'il te plaît? Des pancakes, une petite sauce tartare. Waouh, très intéressant. Donc ça, c'est des poivrons, en fait, froids, qui font une petite salade, un petit truc. Qu'est-ce que tu fais? Je goûte, j'ai un peu gourmand. Vas-y, goûte et donne-nous tes a priori. Faut me dire déjà pourquoi les pancakes, elles sont sucrées. Et t'as mis du saumon et de la sauce tartare. Mais c'est un très bon mélange. J'ai un invité très spécial qui est avec nous aujourd'hui. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir. Ça est la première fois depuis le début du ramadan qu'il va passer la soirée ici. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour déjà, salam alaikum. Donc là on est... Tu viens de te réveiller ou quoi? Désolé pour ça les gars, c'est juste mon père, faut qu'il se mette en marche parce qu'il vient de se réveiller. Là je suis de repos, j'ai passé le ramadan au travail. Tranquille. Ouais, juste un café avec une petite brioche hein. Et là ça va dans tes baskets, tout va bien? Voilà,
je me remets là. Ah voilà, c'est quoi votre programme de ce soir, monsieur? Alors ce soir, c'est on va regarder le Rallye des Champions. Donc, quel match plus particulièrement? L'Atlético City. Je suis pas intéressé par Liverpool, donc. Je vous demande de me suivre vers la table, s'il vous plaît. La table qui vous est proposée devant vous, qu'est-ce que vous en dites? Ça n'a rien à voir avec le boulot, hein. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver ton collègue là? Je suis contente, je suis ravie qu'il soit avec nous. Et toi alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais que je suis très content d'avoir ma petite famille là. Papa, c'est le Ramadan, c'est Ligue des Champions. Ça t'intéresse pas le football? Non. Il te force à regarder le football? Voilà. T'aimerais bien faire quoi toi par exemple? Sauvez-moi! Je vais branquer mon père. Oh là là. Oui, 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 oui. Marais, il est blessé, papa. Non, il joue, il est dans l'équipe. Prends gratté. Les gars, je vous montre vite fait. Vous voyez ça? Merci à toutes les mamans. Merci à toutes les sœurs. Merci à tout le monde. Tous ceux qui débarrassent, qui font la vaisselle pendant le Ramadan. Vous avez du courage. Ah oui. On essaie tous de mettre la main à la pâte chez moi. Sauf mon père. Parce que voilà. D'ailleurs, pourquoi papa, il met jamais la main à la pâte? Franchement, j'ai pas vu quelqu'un faire plus que papa. Pardon? Ici. Chez nous. Regardez le nouvel arrivant. Comment ça dit quoi, le nouvel arrivant? Toi, tu renifles le micro comme ça, cousin. Wesh, wesh, wesh. Ah, t'es amoureux de la caméra toi. Maman, elle vient de dire là que t'étais l'une des personnes qui aidait le plus à la maison. Je suis pas d'accord. Parce que toi, quand tu es absent, tu vois rien. Quand maman, elle rentre le matin du travail, elle trouve tout clean. Regarde, le but de Riyad. Bon, les gars, on va voir ça en direct. Hein. La Budo Black est là. Est-ce que t'es contente de la nouvelle acquisition de la famille? Je suis très contente. Il y avait un trou, ça l'a comblé. C'est pour ça que j'ai ramené un chat. C'est pour combler le manque de papa, maman. Papa, toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un chat? Il va remplir le vide de ma maison. Mais toi, t'es pour ou contre le Ramadan? Pourquoi t'es contre? Non, moi, je suis pas contre. Pourquoi t'es contre? Je suis pas contre le Ramadan. C'est quoi tes arguments contre? Le Ramadan, c'est Ramadan. Il est irremplaçable. Je voulais savoir si t'étais vraiment Ramadan ou pas. C'est bien pour ta santé, le Ramadan. Toi aussi. Le surtout Ramadan. Pour toi. Pourquoi pour moi? Je suis obélisque, moi. Bon, la Mif, ma mère, elle a fait des briques. On en a donné aux voisins pour qu'ils se régalent. Et puis voilà, là je vais chez le coiffeur, la famille, et on va bientôt manger là. Il y a pas vraiment de chronologie dans ce vlog là. Donc voilà, là on va direction le coiffeur parce que voilà, demain on a un shooting photo pour une marque un peu connue. Et allez, tout de suite. C'est comment? On est là, tu connais tranquillement. Cool ou quoi? Je suis en mode aspirateur là, tu connais. Aspirateur toujours. Et la petite caméra. Ouais, ça, nouvelle cam, putain, tu connais. Il est pro, hein, Riyad. On est sur un vlog Ramadan, c'est ça? On est sur un vlog Ramadan, ça sur plusieurs jours, donc voilà. Bienvenue à toi dans ce vlog, frérot. Bah merci, hein, merci d'être sur ta chaîne. Fais comme chez toi. Je suis chez moi là, tranquille. Ouais, hein. Fais comme chez Watt. Les gars, vous connaissez. C'est depuis quand la première fois que t'as posé ta tondeuse sur ma tête? Ça, c'est une bonne question. Mais ça fait un bout de temps maintenant. Bien 2017, hein, je pense. Hein. 2017. Je sais pas, 5 ans que je te coupe les cheveux, non? 4 ans? C'est un truc de ouf quand même. Ça passe vite le temps, frérot. Ouais. Vous vous rendez compte, les gars? Toujours rester fidèle au même. Je t'ai déjà déçu ou quoi? Franchement, jamais. Ah, ouais, je m'as même va. Surpris, je m'as même étonné. Vous savez, c'est quoi le bail? C'est que j'arrive maintenant et je dis, ouais, frérot, t'as envie qu'on fasse quoi? C'est moi qui te dis, t'as envie qu'on fasse quoi? Vrai, hein. Parce que c'est la confiance, les gars. Tu te poses sur une chaise dans un salon et t'as pas confiance, frérot, c'est que t'es pas dans le bon salon. Là-bas, c'est la règle d'or, il faut avoir confiance en son coiffeur. Après, tu connais, ça de faire de la pub aujourd'hui, frérot. Le mec est déjà blindé, je suis blindé, mon frère. Pour venir ici, déjà, je suis obligé de venir à des intervalles, t'as capté ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Vrai qu'on est à 3 semaines, un mois d'attente ici bientôt pour avoir des rendez-vous, quoi. Genre, le mec dit, ouais, j'ai un mariage demain, et il dit, ouais, frérot, ton mariage, décale-le un mois, quoi. Généralement, quand tu sais que tu veux te coiffer pour ton mariage, ouais, t'anticipes normalement, donc tu me demandes pas la veille pour le lendemain. Hein. Tu connais, les gens, ils sont habitués à genre, tu sais, genre, ils descendent en bas de chez eux, ils vont à un coiffeur à 5-10 ouais, euros, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tout le monde peut venir se faire couper les cheveux ici, faut juste anticiper, tu vois. C'est ça. Comme si tu veux la qualité, faut anticiper. C'est comme ton avis, tu vas dans un bon restaurant, frère. Faut réserver à l'avance. Ah oui, frérot. Je tiens personnellement à te remercier, frérot, parce que c'est aussi grâce à toi. Bah, c'est toi qui m'as aidé à développer mes réseaux, tout ça et tout. Mon compte Insta au début, tu te rappelles? Moi, franchement, ça m'a fait plaisir. Bon, les gars, on est beau, on est tout propre. Si t'es peur, le petit bougrou, pourquoi il est roux, frère? Alors, ça, me demande pas. J'ai jamais compris pourquoi non plus. Y'a pas une raison philosophique, c'est un peu, la science, frère. Merci en tout cas, frérot, merci. T'inquiète, mon ref, ça bouge pas depuis. Merci, frérot. La Mif, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de Ramadan pour ce vlog. N'hésitez pas si vous voulez que je refasse des vlogs pendant le Ramadan. Pour ce dernier jour, on a pris un tacos. Elle, bien sûr, t'as capté. On est quand même des gens fins et maigres et distingués. Buenas appetit à Sahaftor comme à tous. Je vais couper tout de suite. Wissem, t'as un petit mot à dire? Bon Ramadan et on partage le tacos. Bienvenue dans la cuisine pour une soirée de débarrassage. C'est parti, Wissem. Débarrasse tout. Bienvenue dans la cuisine de la famille. Est-ce que c'est des menaces? Waouh, il y a une embrouille. Toi, t'as pas le droit de parler normalement. Toi et moi, on se bagarre. Qui est-ce qui gagne? Je pense que t'es la personne la plus faible que je connaisse. Ah là 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 là. On vide les assiettes. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Regarde, Jackie. Regarde, regarde mes yeux. Il dort avec qui? Avec moi. Mais hé, papa, t'es sérieux? Tu veux pas profiter un petit peu de ta famille, sérieux? Message à tous les pères du monde, s'il vous plaît, soyez avec votre famille.
Maman, vas-y, s'il te plaît. T'aimerais quoi tout de suite? Revenir à mes 20 ans. Voilà. Revenir à ses 20 ans. Passez un bon ramadan. Je vous souhaite plein de belles choses. Tu sais que ça m'a fait plaisir d'être avec toi durant ces quelques jours. C'était pas comme l'année dernière ni l'année avant-dernière. Parce qu'il y avait le Covid, on était à la maison. Là, c'était franchement, c'était bien. Je souhaite une longue vie à maman. Pourquoi tu veux pas la lâcher comme ça? Parle un peu de toi, ton expérience personnelle. Sans elle, est-ce que tu serais là à ta place aujourd'hui? Bah oui, je serais là aujourd'hui, t'inquiète. Je serais même loin. C'est là où il faut que tu te rattrapes tout de suite, là. C'est là, là. Est-ce que... Ouais, viens. Ah, voilà. Du coup, vas-y. Quoi? Est-ce que c'est grâce à maman que tu es là? Une vraie réponse, un truc qui vient du cœur. Je veux t'entendre parler avec ton cœur, s'il te plaît. Non, mon cœur qui bat. Non, oui, il bat pour vous. J'ai une femme qui est très bien et une femme qui s'intéresse à son mari. Bon, j'espère. J'ai deux beaux enfants. Qui m'entourent. C'est ça le dernier mot que je dis. J'en suis fier. Ok, c'est bon, lâche-moi, qu'est-ce que tu veux. Et toi? Ah, le plus important, bah oui, la maman. Non, j'ai dit comme il a dit lui. Qu'est-ce que tu ressens pour lui, je t'ai dit. Ah, pour papa? Bah oui. Mais papa, je l'aime, il n'y a pas de truc. On se chamaille un petit peu, mais papa, c'est papa. Et toi, Wissem, qu'est-ce que tu penses de papa? Papa, c'est mon père. Bon, allez, stop, allez. Plein de bisous, la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez encore plein de petits vlogs comme ça, des petites vidéos, dites-moi en commentaire. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Bisous, salam à tous. Bon ramadan à toute la famille, on est ensemble. Salam alaikum.